Oui. Ok. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir. Merci pour cette rencontre. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci de nous inspirer. Merci d'agir pleinement. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Voilà, donc je suis le prophète Joël Crasso. C'est depuis Florence, ici c'est Florence, c'est l'hôtel Libye, c'est ça, l'hôtel Libye. Ici c'est Florence la ville, hein? Florence, en Florence, l'hôtel Libye de Florence ce matin, du 1er novembre. Donc il faut que ce mois nous donne assez de bénédictions, amen. Amen. Parce qu'un mois doit apporter la grâce, un mois doit apporter beaucoup de bénédictions. Amen. Comme j'ai l'habitude d'enseigner, la transition d'un mois à un autre mois, ça se prépare. Oui, parce que la transition est importante. C'est pour ça que par moment, quand il est le 31 janvier, le 31 décembre, les gens vont à l'église. Oui, parce que tout se prépare. Or, un mois qui se présente en nous doit apporter beaucoup de grâce. Or, qu'est-ce que tu as semé? C'est ça qui est important aussi. Tu as dit quoi en novembre? Or, le mois de novembre a des oreilles. Donc, cette nuit, à partir de 1h du matin, j'ai parlé en novembre. Novembre ne doit pas m'envoyer des problèmes. Novembre ne doit pas m'envoyer des soucis. Novembre, passe comme ça, je suis encore plus visible. Novembre ne doit pas m'apporter des malheurs. Donc, il y a des techniques comme ça qu'on doit vous enseigner. Nous sommes le 1er novembre, et quand Dieu vous donne un mois, il faut posséder le mois. Et ça, c'est important, il faut posséder le mois. C'est-à-dire, à partir de minuit, et c'est la transition. 23h, minuit, nous rentrons en novembre, et déjà en novembre, qu'est-ce que tu as dit au mois de novembre? Or, quand tu rentres dans un mois, à partir de la nuit, parce que là, tout part de la nuit, c'est à partir de la nuit que le jour se produit. C'est la nuit qui produit le jour. C'est pour ça que quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de Genèse, on dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre et que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est la nuit qui produit le jour. C'est pour ça qu'à partir déjà de minuit, on commence à compter le jour, 1h du matin, 2h du matin. Donc à partir, quand il y a cette transition, le mois d'octobre est parti hier, nous sommes déjà au mois de novembre. Donc déjà il faut commencer à parler au mois de novembre. Donc novembre, tu dois parler pour dire novembre, j'ai détruit la mort. J'ai détruit tout ce qui est l'accident. Parce que le diable, pendant que vous levez, il y a une programmation satanique pour le mois de novembre. Pendant que toi, tu as des grands projets, le diable aussi programme, il y a des projets sataniques contre toi. Donc, il y a des choses qu'on doit faire. Donc, on annule la malédiction, on annule la pauvreté, on annule toutes sortes de choses. Et puis maintenant, tu parles, comme si tu tentais de parler à une personne pour dire, novembre, je ne voudrais pas que tu m'apportes le malheur. Je ne voudrais pas que tu m'apportes la pauvreté. C'est ce que tu as semé là que tu récoltes. Amen. Amen. Or, la Bible dit que la parole est une semence. Or, le semeur sème la parole. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Ce sont des secrets. Je suis prophète. Moi, ma manière d'enseigner le pasteur, c'est différent. Tout compte fait, moi, je t'emmènerai vers Dieu. Il faut marcher, c'est un principe. Il faut croire en Dieu pour aller au ciel. Ça, c'est un principe. Mais c'est comme un professeur qui enseigne des écoles. Chacun a une matière. Il vient d'enseigner mathématiques, l'autre vient d'enseigner français. Le juge se trompe en cours d'eau. Vous dites, bon, je vous donne le cours de français, on le stoppe. On dit, stop. Ce n'est pas le cours du professeur de français. Toi, tu es un professeur de mathématiques. Donc, c'est comme ça. Chaque homme de Dieu a sa spécialité. Moi, je vous enseigne les mystères. Comment parler à la nature. Ça, c'est tout ça, c'est important. Tel que le mois de novembre. Parce qu'un mois, de toute façon, tu programmes un voyage. Il y a aussi le diable aussi qui programme l'accident. Il y a aussi le diable qui programme beaucoup de choses. Alors, quand tu dois rentrer dans un nouveau mois, ne négligez pas ça. Or, en matière de spiritualité, la négligence est un problème. La spiritualité aurait de la négligence. Or, nous aimons beaucoup négliger. C'est ça, c'est sur ce terrain que le diable arrive à avoir beaucoup de personnes. Or, quand vous levez, à partir d'une minute déjà, vous devez régler le problème de novembre. Parce que novembre, c'est ce que tu as dit. Or, quand novembre veut envoyer un problème de malédiction, novembre, c'est que tu as déjà dit, tu as déjà annulé. Tu as déjà annulé la pauvreté, tu as déjà annulé le problème d'endettement, la maladie, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir comme ça. C'est un secret que je suis en train de vous donner. Nous sommes déjà le 1er novembre. Que le mois de novembre vous apporte beaucoup de bénédictions. Donc, si tu veux, il faut couper 15-15. Hein? Quand il fait 15 minutes, tu coupes. 15 okay. minutes, tu coupes. Tu iras toujours vers moi. Amen. Amen. Voilà, donc ça a été improvisé. Hein? Donc, on va prendre ça comme ça. Ça a été vraiment improvisé, comme je disais. Et puis, je remercie quand même le comité d'organisation. Ils sont vraiment dynamiques. Amen. Amen. Ça a été vraiment improvisé. Ma volonté, c'est-à-dire mon désir, c'est de vous aider. J'ai tellement envie de vous aider parce que je sais comment vous souffrez. Nous savons déjà combien de personnes que nous avons reçues depuis la diaspora, en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes et c'est les mêmes problèmes. Vous avez pratiquement les mêmes problèmes. Et vous savez, le notre problème, c'est autour de la sorcellerie.
Or, si vous n'avez pas des gens qui vous encadrent, c'est ce que j'en ai dit à mes collègues. Il y a même quelqu'un qui a commencé déjà à m'attaquer depuis Turin, me vilipender. Bon, moi, je suis habitué à ça. Or, j'ai dit, c'est un danger de courir après les fidèles pour leur demander leur dîme. Vous n'êtes pas policier, où est-ce que vous voulez? On va vous mettre FSI. Je n'ai encore du moins c'est FSI. On va vous recruter pour être FSI. Le monsieur, il voit que ça ne marche pas. Il n'a pas la volonté de donner la dîme. C'est, non, la dîme, là, c'est ce qu'il dit aux gens. J'ai dit aux gens, je ne suis pas obligé. C'est pour ça que hier, ce n'est pas parce que je suis là. Eh, hey, ça va, madame? Il t'a reconnu quand même. Hein? T'as vu, il a donné 100 euros pour la salle. Oui, c'est ma contribution. Je suis grabois chrétien. Je suis un berger. Or, le berger donne sa vie pour ses brebis. Or, il y a des bergers qui vous mangent. Comme des sorciers. Vos petits mungu-mungu là, ils prennent ça pour manger. Ils deviennent comme des gangsters, des brigands. Eh, hey, ma fille, t'es pas vu 4 semaines, hein? Ça veut dire quoi, ça? On dit, hein? Oui, mais là, il court, il est de là, dîme. Il sait pas de quoi tu souffres ton problème. Quand il prend la dîme, il disparaît. Début du mois, nous, on les voit comme les gars, ils font du hors à Paris, en Côte d'Ivoire, en Europe. Et quand je suis constamment avec eux, je leur donne des conseils. Si vous voyez une brebis qui est délivrée, elle vous donne librement les offrandes. Amen. Amen. Mais non, c'est pas forcé. Mais quand tu es délivré, quand tu n'en as pas. Moi, je paye la maison de certaines personnes en Côte d'Ivoire. Je donne à manger à certaines personnes en Côte d'Ivoire. C'est important qu'un berger s'occupe de ses brebis. Oh, c'est ça le problème aujourd'hui. Amen. Or, quand vous êtes délivré, pour investir là, c'est facile. Le monsieur, il est délivré, il est béni, mais il va donner. Oh, ici, c'est la police. On court après vous. C'est ça que les gens ont peur de notre présence. Parce qu'on va déranger le système. On va déranger tous les systèmes qu'ils ont mis en place. Parce qu'on a l'impression que vous êtes dans une prison. Ils ne partent pas en Afrique. Parce que tu vas en Afrique, ils vont te tuer. Ah! Oh, lui, chaque fin du mois, il vient. Il sait pas. Tu as des problèmes. Il te poursuit comme FSI pour prendre ta dîme. Quand il prend la dîme, ça va. Mais c'est un jossi aussi qu'il est en train de faire. C'est une forme de jossi. Et c'est dangereux. Vos vies nous préoccupent. Vos vies, comment vous devez émerger demain? C'est ça qui fait que nous, je suis là, sur ce sol européen. Sinon, l'Europe, ça ne m'intéresse pas. J'ai ce qu'il dit au pasteur, n'ayez pas peur. Vous qui êtes là, n'ayez pas peur, ça ne m'intéresse pas de rester ici. Il y a trop de sorciers d'Afrique. Non, ça ne m'intéresse pas ici. Il y a beaucoup à faire. Si je suis ici, qu'on a décidé de venir constamment là, c'est justement pour vous, prier pour vous, pour que vous puissiez venir. Il faudrait qu'on puisse avoir le fruit, n'est-ce pas, de notre travail. Le fruit, là, il faut que c'est vous qui avez les témoignages. Or, si vous n'êtes pas suivi, ce sera difficile. C'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Vous écoutez, priez pour vous, pour que demain, vous puissiez vraiment bénir. Amen. Amen. C'est vrai que même les huiles, c'est vrai qu'on les vend, parce que ce n'est pas moi qui les fabrique, ce n'est pas moi. Mais en même temps, ça contribue à mettre en avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu moi-même être sur place, participer aux organisations. Au niveau de Paris, les gens voulaient que 60 000 euros pour qu'ils arrivent. J'ai dit non, c'est pas... On ne peut pas, c'est pas l'argent. Non, 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 tu sais, tu es un grand homme de Dieu. Il dit, oh, laissez à faire des grands hommes de Dieu. Moi, il m'a repoussé. Parce qu'il a fait des grands hommes de Dieu. Tu as allé payer pour la santé, tu as fait quoi? Moi, il m'a repoussé. Donc, les gars, dépend, tu as fait. Si c'est salon, je peux dormir dans le salon. Hein. Je n'ai pas de problème. Je suis prêt à tout. Pourvu que je sois là où Dieu veut que je sois. C'est tout mon problème. Non, c'est qui est sûr? Il dit, bon, vous savez, si vous ne faites pas moi de ma présence une priorité. Je sois là, puis je regarde dans l'organisation. Parce que je dois avoir clair dedans. C'est pour ça que j'ai annulé pour Paris. Oui, j'ai annulé pour Paris. Et encore, il y a un monsieur qui m'a invité. Il s'appelle Assoumou. Il m'a invité pour un programme au niveau de Paris, un bel concert. Or, lui, il a déjà commencé à prendre l'argent les gens. Ah. Oui. Ah, il a commencé à prendre l'argent les gens. Réservation de temps, temps, temps. J'ai annulé. Parce que on ne vient pas pour vous. Brigandé. Comme un gangster, un braqueur, vous avez des soucis. Je dois être en mesure de vous écouter et pour vous aider. Or, ce don-là, ça ne se monnaie pas. Amen. Amen. Bien que le prophète, on ne voit pas les mains vides. Moi, je ne fais pas de ça une priorité. Pour dire avant de me voir forcément, non. Amen. Amen. Mais pour dire je suis là, c'est vrai, ça a été improvisé, mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, donc on prend. Mais qui est le prophète? Peut-être que je vous enseigne un peu ça.
pour ne pas qu'il y ait des crashs, des bruits entre vous et moi. Amen. Amen. Le prophète, c'est un voyant. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez la Bible dans 1 Samuel 9, 9, on y va rapidement. C'est une exhortation. Vous allez voir que tout à l'heure, ça va se régler du tic au tac. Vous avez le prophète, vous voyez là, il est comme une clé. Il n'est pas là pour parler trop. Quand tu le rencontres, les choses doivent aller. Amen. Amen. La preuve, c'est que quand Saül a rencontré Samuel, sa vie a changé. Samuel cherchait des ânesses. Saül cherchait des ânesses de son père. Mais le jour où il a rencontré le voyant qu'on appelle Samuel, sa vie a changé. Samuel est obligé de lui dire, aujourd'hui, mais pendant que je te parle, tu seras roi. Amen. Et sa vie a changé. Lui ne s'attendait pas à la royauté, mais il a rencontré l'homme qui a parlé, celui qui a changé. Il faudrait que tu rencontres quelqu'un qui parle sur toi. Dis amen. Amen. Voilà, pour changer le cours de ton histoire. Parce qu'il y a des gens que Dieu écoute. Voilà, il y a des gens que Dieu écoute. Il y a des gens que le ciel écoute. Quand tu les rencontres, le ciel vient de s'ouvrir. Donc un voyant, le prophète c'est un voyant. 1 Samuel 9, le verset 9. Oui. Tu seras délivré. Amen. Tu seras délivré. Parce que je sens qu'elles sont l'odeur des cadavres. Elles l'ont déjà détruit en sorcellerie. Ils sont vaincus. Mais Dieu va te délivrer. Amen. Tu as affaire au maréchal de la brigade quand tu mangeais d'arbre. Amen. Alléluia. J'allais prendre ta chair dans l'estomac. Amen. Amen. Tu vas te délivrer. Dieu va te délivrer. Amen. La mort est détruite. La sorcellerie est fléchigène. L'enrage ton âme. Je m'enclame la Seigneur de Jésus. Amen. Donc allons-y, Samuel 1, Samuel 9, 9. Quand on allait consulter Dieu. Très bien. Quand on allait consulter Dieu. On disait autrefois en Israël. On disait autrefois en Israël. Venez. Venez. Allons trouver le voyant. Allons trouver le voyant. Amen. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète. S'appelait en effet autrefois voyant. Amen. Amen. S'appelait autrefois voyant. Amen. Amen. Donc le prophète, l'appellation du ministère, parce qu'il y a beaucoup de ministères, hein. Il y en a jusqu'à 5 ministères apostoliques. Donc le prophète, c'est un voyant. C'est pour ça que Michel, dans la voiture du frère, il dit, tu sais, quand je regarde le GPS là, j'ai l'impression que c'est la même chose que mon appareil dans ma tête. Si j'ai vu avec un appareil spirituel, je suis là, j'ai l'impression que quand je dois aller, quand il y a quelque chose sur toi, paf, je vois. Et s'il y a quelque chose qui est connecté avec toi, depuis le village, je le sens. Et puis c'est comme le GPS, ça me montre juste à localiser le coin. À Zaroko, ils ont déjà expérimenté ça. Ça, Zaroko, c'est ma base. Je suis des Zaroko. Non, si, je suis des Zaroko. On les a tous mis au pas. Tout le monde est allé chibouiller empoisonné là-bas. Personne ne veut manger son camarade. On les a bien éduqués. Voilà. Amen. Amen. Donc le prophète, c'est un voyant, c'est la voyance. On a la capacité de voir des choses. Or, la spécialisation de notre ministère, c'est la destruction des œuvres, la sorcellerie. Donc, si tu as un problème de sorcellerie, je le détecte rapidement. Amen. Amen. Or, quand vous avez un problème et que vous ne tombez pas sur le spécialiste, vous avez des problèmes. C'est pas, si vous tombez sur un généraliste, va vous tuer. Parce que lui, il n'est pas spécialisé dedans. Oh, il y a des gens qui sont des généralistes, ils vous donnent des révélations, mais ils ne peuvent pas régler le problème. Oh, on a l'impression que Dieu a parlé, mais ce n'est pas réglé. Il ne suffit pas de parler, il suffit de régler le problème. Oh, le prophète qui est là, il règle le problème. C'est la clé. Il suffit seulement qu'il parle, puis les choses se règlent. Donc, allons-y dans 2 Samuel, 2 Rois, super important. 2 Rois, le chapitre 2. 2 Rois, le chapitre 2. À partir du verset 19 à 22. Je lis. Les habitants de la ville disent à Élisée, la ville est très bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Ok. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Comme dit nous dit celle. Et il le lui apportait. Très bien. Il alla vers la source d'eau. Il jeta du sel et annonça.
Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine. Je rends cette eau saine. Et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ni stérilité. Amen. Amen. Allons-y. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Regardez cette histoire du prophète Élisée. Élie, le prophète Élisée, c'est le fils spirituel d'Élie de Tishbite. Élie de Tishbite venait d'être enlevé par un chat de feu parce qu'il est...